Est-ce que vous m'entendez? Bonjour à tous. Très bien, donc on peut commencer. Alors, je m'excuse pour hier parce que j'ai eu un problème de connexion, donc on n'a pas pu faire le cours. Normalement, lui, on me déroule le TD. Donc, mais comme je dois faire le cours REDA avant de faire le TD, donc je vais faire le cours aujourd'hui et la prochaine fois, on va faire le TD. D'accord? Alors, le cours d'aujourd'hui s'intitule Application de l'extraction liquide-liquide. C'est le dernier cours de la deuxième année. C'est le dernier cours de la deuxième année. Les applications de l'extraction liquide-liquide. En fait, le cours précédent, extraction liquide-liquide, on a vu tout ce qui a trait à l'extraction et tous les types d'extraction et les calculs qu'on devait effectuer pour déterminer les quantités de raffinés, les quantités extraites et bien sûr le rendement. Donc, Liu, on va voir comment appliquer l'extraction liquide-liquide selon la nature du soluté. Donc, selon la nature du soluté, on peut avoir des molécules simples comme on peut avoir des molécules chargées. Et l'extraction ne va pas se faire de la même manière pour une molécule simple que pour une molécule chargée. Voilà, quand je dis molécule chargée, ça peut être un cation, un anion, comme ça peut être un cation métallique. D'accord? Donc, on va voir tout ça en détail, Lio. Alors, pour introduire, donc on a vu que l'extraction, c'est un transfert de soluté par la mise en contact de deux solvants. Donc, les deux solvants, l'un est polaire, le deuxième est apolaire. En général, le solvant polaire, c'est la phase aqueuse. Le solvant apolaire, c'est bien sûr une phase organique. Parce qu'il faut qu'il y ait une non-miscibilité entre les deux solvants, entre les deux phases. On a parlé aussi de la deuxième notion. Elle est très importante, c'est la notion d'affinité du soluté qui doit être plus importante pour la deuxième phase que pour la première phase, la dynamique. Donc il y a toujours deux choses à retenir, la non-miscibilité des solvants et la notion d'affinité. Donc le choix du solvant extractif va dépendre de la solubilité du soluté. Un semblable dissout son semblable. C'est-à-dire qu'on choisit le solvant extractif toujours, on choisit toujours le meilleur solvant pour le soluté tanahna. D'accord? Quand je dis le meilleur solvant, ça veut dire, à côté de ça, ça veut dire que le coefficient de partage, c'est le plus élevé. Et quand on dit que le coefficient de partage est très élevé, on va dire que, par conséquent, le rendement sera très élevé. Tout simplement. Alors, dans certains cas, certains facteurs peuvent interférer avec l'extraction. Ces facteurs-là vont provoquer un changement de polarité du solide. C'est-à-dire qu'en général, dans certains cas, par exemple, le pH peut influencer la charge dans le soluté. Mais les un composé non chargé, et où les composés chargés. Et inversement, mais les chargés, et où les composés non chargés. C'est-à-dire qu'on passe facilement d'un composé polaire à un composé apolaire ou inversement. D'accord? Et la conséquence de tout ça, c'est premièrement, la diminution du rendement, soit que le rendement millikan, par exemple, à 80% et le juste 30%, soit ça peut rendre l'extraction impraticable. C'est-à-dire que, là, quand je dis extraction impraticable, c'est-à-dire qu'elle ne se fait pas. C'est-à-dire que le rendement est égal à zéro.
D'accord? Donc, on doit faire varier ces facteurs de telle sorte que l'extraction devienne praticable et que le rendement soit proche de 100%. C'est toujours ça qu'on vise, un rendement proche de 100%. D'accord? Alors, pour contrer les facteurs, on va jouer soit sur le pH, soit sur la formation de phtalates métalliques, c'est-à-dire la formation de complexes. Alors ça, cette partie-là, ça s'intéresse à l'extraction de cations métalliques. Alors c'est direct, hein. Tu ouvres un phtalate métallique, c'est directement un bel hibride, je vais extraire un cation métallique. Troisièmement, c'est la formation de paires d'ions. L'anion, c'est l'extraction d'un composé chargé, quel qu'il soit. Le mohème, c'est un cation ou un anion. D'accord? Donc, il y a trois facteurs et on va étudier les trois facteurs en détail. Ça va? Alors, les objectifs du cours, c'est connaître les facteurs pouvant influencer l'extraction d'une molécule simple. Ensuite, on va voir, donc on va commencer par le plus facile, c'est-à-dire les molécules simples. Donc, on va voir quels sont les facteurs qui vont influencer leur extraction. Donc, on va voir qu'est-ce qui va favoriser le rendement, l'augmentation du rendement d'une extraction. Ensuite, on va voir le principe, les applications et la mise en œuvre d'une extraction de paires d'ions. La même chose pour l'extraction de chélate métallique. On commence par les molécules simples. On passera ensuite à la paire d'ions et au chélate métallique. Ça demande les différentes applications de l'extraction de chélate. Alors, facteurs influençant l'extraction. Si on dissout un soluté dans l'eau, il y a deux possibilités. Donc, le soluté est présent initialement dans l'eau. Donc, il y a deux possibilités. Soit le composé est à l'état moléculaire. Donc, le composé est à l'état moléculaire, le transfert va se faire facilement vers la phase organique. Soit le composé est à l'état ionique, et donc si j'utilise une phase organique à côté, tout ce qui est, on a dit déjà, tout ce qui est chargé ne peut pas passer en phase organique, parce que ce qui est chargé, il est polaire, la phase organique, elle est apolaire. Et donc là, l'extraction va être délicate. Alors pourquoi? On va voir pourquoi l'extraction est délicate dans le cas d'un composé à l'état ionique. Alors, donc vous avez un schéma ici. En solution aqueuse, il y a formation de liaisons électrostatiques entre l'ion et le solvant. Ça, on l'a vu en début d'année, le premier cours, solution et solvant. On a vu que la dissolution d'un soluté va entraîner la formation de liaisons entre l'eau et le composé. Donc, ce sont des liaisons électrostatiques. C'est-à-dire que le composé Tanahna, il sera entouré par ce qu'on appelle une couche d'hydratation. C'est une couche d'hydratation. Donc, si j'ai un composé comme ça, entouré par de l'eau, est-ce qu'il va passer en phase organique? Logiquement, non. Parce que l'eau et la phase organique sont non miscibles. Ils ne peuvent pas se mélanger. Il n'y a aucune affinité. Donc, le composé tel qu'il est va rester dans l'eau. Donc, ce que je dois faire, Anaïs, c'est supprimer tout ce qui est, voilà, c'est écrit pour l'encadrer, toute transformation qui permet la suppression ou l'affaiblissement d'un caractère ionique facilite le passage vers la phase organique. Donc, je dois, avant de procéder à l'extraction, je dois d'abord éliminer le caractère ionique du soluté et par la suite procéder à l'extraction. D'accord? Alors, on va commencer par l'extraction de molécules simples. On va voir l'influence de la structure. L'extraction de molécules simples, on va parler de la structure, on va parler de l'extraction des acides et des bases. Donc, on va commencer par l'influence de la structure. Alors, l'extraction, donc lorsqu'il s'agit d'une extraction par un. Alors, l'extraction par un solvant organique. Lorsqu'il s'agit d'une extraction par un solvant organique, les composés, pour ce qui est des composés organiques, leur solubilité en phase organique doit être supérieure, donc elle est en général, pas doit être, en général, la solubilité d'un soluté de nature organique est 10 fois supérieure à sa solubilité en phase aqueuse. C'est-à-dire qu'en général, lorsque je prends un composé de nature organique,
Le coefficient de partage, c'est-à-dire le coefficient de partage organique O, il est 10 fois, il est supérieur ou égal à 10, c'est-à-dire qu'il est 10 fois supérieur dans la phase organique que dans l'eau. Pour ce qui est des composés minéraux, les composés minéraux, c'est un peu plus délicat, donc tout dépend du cas. Certains sont plutôt solubles dans l'eau, d'autres. Donc, pour ce qui est des composés minéraux, on a dit que certains sont facilement solubles dans l'eau, d'autres sont plutôt solubles en phase organique. Alors, tout ce qui présente des liaisons covalentes ou semi-polaires, alors, tout ce qui présente des liaisons covalentes ou semi-polaires telles que les halogènes et les halogénures ont plutôt une solubilité en phase aqueuse, plutôt en phase organique. Ils ont une meilleure solubilité en phase organique. Donc, pour ce qui est des composés minéraux, en général, ils ont plutôt une solubilité en phase aqueuse, sauf les halogènes et les halogénures, c'est-à-dire les composés ayant des liaisons covalentes ou semi-polaires. D'accord? Alors, le cas d'un composé organique. Dans le cas d'un composé organique, il y a premièrement l'influence de la longueur de la chaîne carbone. Lorsque le nombre de carbone augmente, la polarité du composé diminue. Et quand la polarité diminue, le coefficient de partage lambda organique O est élevé. Il va augmenter. Donc, plus le nombre de carbone, c'est une règle, plus le nombre de carbone augmente, plus la polarité diminue et plus le coefficient de partage va être élevé. Du coup, en général, pour chaque CH2 ajouté, pour chaque CH2 ajouté à la molécule, le coefficient de partage va augmenter de 4 unités. C'est-à-dire, par exemple, si j'ai à la base un coefficient de partage de 10, à chaque fois que j'ajoute un CH2, le coefficient de partage va augmenter de 4 unités. Maintenant, il va passer de 10 à 14. Si dans un CH2, je vais passer de 14 à 18, etc. D'accord? J'ai dit, c'est une règle. Deuxième chose, c'est l'influence de la présence de ramifications. Pour un même nombre de carbone, plus il y a de ramifications, plus le coefficient de partage diminue. Du coup, il diminue, le coefficient de partage diminue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la polarité va augmenter. Donc, je vais répéter. Plus il y a de ramifications, plus la polarité augmente et plus lambda diminue. La néa est inversement proportionnelle. Troisième chose, c'est la présence d'insaturation, c'est-à-dire de double liaison. Pour un même nombre de carbone, donc si je compare plusieurs molécules ayant un même nombre de carbone, plus le nombre de doubles liaisons augmente, la polarité augmente et le coefficient de partage diminue. D'accord? Donc, je vais répéter. Si le nombre de carbone augmente, le coefficient, la polarité va diminuer et le coefficient de partage va augmenter. Plus le nombre de ramifications augmente, plus la polarité va augmenter et le coefficient de partage va diminuer. La même chose dans le cas où le nombre de doubles liaisons augmente. Alors, si le nombre de doubles liaisons augmente, la polarité de la molécule va augmenter et son coefficient de partage va diminuer. Alors, les trois règles sont à retenir parce qu'elles sont très importantes. Elles influencent grandement l'extraction d'un composé organique par une phase organique. On va passer maintenant à la présence d'hétéroatomes. C'est la dernière. Donc, les hétéroatomes, si on incorpore un oxygène ou un azote, un hétéroatome, c'est-à-dire c'est un atome autre que le carbone et l'hydrogène. En général, les composés organiques se composent de base, leur structure de base, des carbones et hydrogènes. C'est une combinaison des deux. Donc, hétéroatome, c'est-à-dire qu'on va ajouter un atome différent du carbone et de l'hydrogène. Alors, lorsque j'ajoute un oxygène ou un azote, le coefficient de partage va diminuer. Pourquoi? Parce que l'oxygène et l'azote vont donner une certaine polarité à la molécule. Donc, ils vont augmenter sa polarité.
Par contre, si j'ajoute un halogène, les halogènes de base, ce sont des composés non polaires. Donc, si je les ajoute à un composé organique, la polarité de la molécule va diminuer et le coefficient de partage va augmenter. Donc, selon l'hétéroatome ajouté, le coefficient de partage va varier. Donc, maintenant, on va voir l'influence du pH. Donc, on est passé de l'influence de la structure à l'influence du pH. Alors, toujours, quand je dis pH, je dis acide ou base. C'est-à-dire que le composé auquel je m'intéresse est soit un acide, soit une base, soit un amphotère. Donc, je vais commencer, on commence toujours par le cas des acides. Donc, j'ai un acide faible. Toi, quand je dis acide, c'est toujours acide faible ou base faible. Quand je parle de l'influence du pH, je parle toujours d'un électrolyte faible. Voilà, parce que les électrolytes forts ne sont pas influencés par le pH, parce que leur dissociation est totale. Je dois aller ramener. Alors, c'est dans tous les cas, que ce soit pour les réactions de précipitation, de complexation, tout ce qu'on a vu, hein, les réactions d'oxydoréduction, le pH n'influence jamais un électrolyte fort. Il n'influence qu'un électrolyte. La variation du pH n'influence que les réactions ayant trait à un acide faible ou une base faible ou bien un amphotère. D'accord? Alors, si j'ai un acide faible, alors, si je prends un acide faible AH, il se dissocie pour donner un proton et la base conjuguée à moins. Donc, si je veux extraire l'aide à l'acide faible, se trouve en phase aqueuse. Donc, je veux le faire passer, l'extraire vers une phase organique. Donc, logiquement, entre AH et A-, laquelle des deux molécules va être extraite? Est-ce que c'est la molécule ionisée A- ou bien la molécule ionisée AH? Je vous pose la question. Très bien, c'est bien la molécule AH. Donc, c'est la molécule AH qui va être extraite préférentiellement. Donc, on va avoir le transfert de AH de la phase aqueuse vers la phase organique. Donc, vous voyez les deux flèches. Pour augmenter le rendement de l'extraction, je dois au maximum transformer A- en AH. Donc, plus HEDA A- qui se transforme en AH, plus AH va être transféré vers la phase organique et plus le rendement va être important. D'accord? Donc, tout ce qui peut favoriser le passage de A- à AH va favoriser l'extraction. Donc, là, entre en jeu l'influence des protons, de la concentration en protons. Je considère dans un premier lieu que le nombre de protons va. Alors, dans le cas d'un acide, je vais prendre le cas où le nombre de protons va diminuer. Si le nombre de protons va diminuer, le chiffre, la réaction va se déplacer dans le sens head. C'est normalement le sens 2. Donc, on va transformer le AH vers le A-. La réaction va se faire dans ce sens-là pour combler le manque de protons. D'accord? Donc, si AH se transforme en A-, le rendement, logiquement, HEDA, le canon organique, va passer en phase aqueuse, où le AH en phase aqueuse va devenir A-. Donc, le rendement de l'extraction va diminuer. Donc, lorsque AH, H+, plutôt, diminue, c'est-à-dire lorsque le pH augmente, vous allez avoir une diminution du rendement. Donc, si pH augmente, le proton diminue, A- va augmenter et AH va diminuer. Et donc, le rendement va diminuer. Donc, l'inverse de cas, si maintenant je diminue le pH, c'est-à-dire que si je travaille en milieu acide, le nombre de protons va augmenter. Si H+ augmente, vous allez avoir une réaction qui va se déplacer dans le sens 2. L'autre, c'était le sens 1. Donc, elle va aller dans le sens 2. Donc, passage de A- à H. AH en phase aqueuse va passer en phase organique et le rendement va augmenter. Donc, c'est le raisonnement inverse. Si le pH diminue, H plus augmente, A moins
sera transformé en AH et AH va être transféré en phase organique et le rendement va augmenter. Pour conclure, dans le cas d'un acide, je dois travailler en milieu acide. Pour le cas d'un acide, pour l'extraction d'un acide, il est préférable pour augmenter le rendement de travailler à pH. D'accord? Donc, on va faire le calcul Tanahna pour arriver à déterminer le rendement de l'extrait. Donc, là, on va voir les formules qu'on va utiliser. La première formule, c'est la constante d'acidité de l'acide, A moins fois H plus sur AH. Je vais pas avoir. Maintenant, le taux de distribution. Alors, pourquoi j'utilise la notion de D? Vous me dites pourquoi? Pourquoi je parle de D ici? Taux de distribution. Bien. Donc, une très bonne réponse. On parle de taux de distribution parce que l'acide se trouve sous deux formes. Il se trouve sous forme A- et sous forme AH. D'accord? Donc, D, qui m'a le coefficient de partage, c'est le concentré, c'est la somme des concentrations en phase organique sur la somme des concentrations en phase aqueuse. Donc, en phase organique, on a une seule forme, c'est la forme AH. En phase aqueuse, par contre, on a deux formes, AH et A-. OK? Donc, D est égal à AH organique sur AH aqueux plus A. Ce que je vais faire, c'est faire ressortir A à partir de la constante d'acidité. Donc, RH A est égal à H fois KA sur H plus. Et je vais la remplacer ici. Donc, je vais avoir, donc je remplace A ici. Je vais avoir D est égal à AH sur AH aqueux fois Hedakem. بعد نخرج اتش ا كو عامل مشترك فاكتور كومان et on aura pour finir la relation هذه اتش اورجانيك sur اتش ا كو fois 1 plus كا sur اتش بلس تبقى لي لا بارتي هذه نشوف واش ندير معاها دونك لو رابور اتش اورجانيك sur اتش ا كو ا فوتر افي ريبريزونت كوا هذا لو رابور C'est le rapport, c'est une concentration de la phase organique dans la phase organique sur une concentration dans la phase aqueuse. C'est-à-dire, je me souviens autrement, c'est CB sur CA. Ou chérie, il y a CB sur CA. Très bien. Helfa, c'est ça. Très bien. C'est lambda. C'est le coefficient de partage. C'est très bien. Donc, Hedi, c'est lambda. Donc, pour finir, donc la relation finale au chute gauche. La relation finale, Goldman lambda étant AH organique sur AH aqueux. Donc, D. Donc, on remplace ici. On va avoir D est égal à lambda sur 1 plus KA sur H+. Alors, sachant que lambda est une constante, le 1 va en parler. Donc, c'est le rapport KA sur H+, qui va jouer, donc qui va influencer la variation du rendement. Quitte bête de KA sur H+, le rendement va varier. Donc, on va voir comment KA sur H+, influence le rendement. Ici, le premier cas, je considère K1 sur H+, est négligeable devant 1. Hada, il est négligeable devant 1. C'est-à-dire que le maqam, tal-kasr-tay, va être égal à 1. Donc, je vais avoir D est égal à lambda. On me met ici, ça veut dire que le rendement est égal à 100%. Pourquoi? Donc, K1 sur H+, est négligeable devant 1. D est égal à lambda. Et par conséquent, le rendement est égal à 100%. Pourquoi on a fait le rapport entre D est égal à lambda et un rendement proche de 100%? À votre avis, pourquoi?
Oui, AH existe. Voilà, ça c'est plus important. Il y a plus de A-. C'est très bien. Quand je dis D est égal à lambda, ça veut dire que la molécule, on a fait l'extraction liquide. Lorsque la molécule se trouve sous une seule forme, D et lambda sont égaux. C'est une règle. Donc, si tu D est égal à lambda, ça veut dire que toute la molécule se trouve sous une seule forme. Et c'est la forme AH. Donc, si j'ai la forme AH, je vais logiquement avoir un transfert du soluté de la phase aqueuse vers la phase organique. Et donc, je vais avoir un rendement de 100, tout simplement. D'accord? Donc, si Ka sur H+, si le rapport est négligeable devant 1, le rendement tend vers 100%. Alors, pour quelle valeur de Ka et de H+, je parle de négligeable devant 1. Dans quel cas, Ka sur H+, est négligeable devant 1? On dit Ka sur H+, est négligeable devant 1 si le rapport est, il est inférieur ou égal à 0,01. Alors, on a une telle comme autrement. Alors, si c'est négligeable lorsque Ka est inférieur ou égal à 0,01 fois H+. Tout simple. Donc, là, on écrira autrement. On écrira en fonction du pH et du pK. Donc, pour cela, je vais introduire le logarithme. Donc, je vais avoir log Ka est inférieur ou égal à moins 2. Parce que log 0,01, c'est moins 2, plus log H+. Maintenant, j'introduis le moins. Je vais avoir moins log Ka est supérieur ou égal à plus 2 moins log H+, réduit tout l'ILIPK, ou réduit tout l'ILIPH. Donc, PK est supérieur ou égal à 2PH. Et donc, PH est inférieur ou égal à PKA moins 2. Donc, on dit que Ka est négligeable devant H+, lorsque PH, à partir du moment où le pH est inférieur ou égal à PKA moins 2. Donc, en conclusion, on va dire que pour un pH super inférieur ou égal à pKa moins 2, D est égal à lambda et le rendement est à 100%. À quoi sert cette règle? Elle sert à dire à quelle valeur de pH, dans quelle valeur de pH je dois me placer pour avoir un rendement à 100%. Donc, lorsque j'ai un acide, en général, le pKa terre, okay? Par exemple, pour l'acide benzoïque, le pKa, c'est 4,2. Pour l'extraire, je dois me placer, pour avoir un rendement à 100%, je dois me placer à une valeur de pH inférieure ou égale à 4,2 moins 2, c'est-à-dire 2,2. Donc, si le pH est inférieur ou égal à 2,2, le rendement est à 100%, tout simplement. Ça, c'est le premier cas. Donc, on va voir le cas inverse. Si maintenant le Ka sur H+ est largement supérieur à 1, dans ce cas-là, le D ne sera plus égal à lambda. En fait, le D va diminuer et le rendement aussi. Donc, le rendement va également diminuer, il ne sera plus égal à 100%. Donc, ça, c'est le cas inverse. Donc, Ka est considéré comme le rapport, hein, Ka sur H+ est considéré comme largement supérieur à 1 si Ka sur H+ est supérieur ou égal à 100. C'est-à-dire si Ka est supérieur ou égal à 100 fois H+. Donc, après calcul, on aura pH supérieur ou égal à pKa plus 2. Donc, dans ce cas-là, lorsque le pH est supérieur ou égal à pKa plus 2, le D n'est plus égal à lambda. Ça veut dire que quand je dis D n'est plus égal à lambda, ça veut dire que la molécule se trouve sous deux formes. Elle se trouve sous la forme AH et sous la forme A moins. Et Heda, donc ce fait-là va faire que le rendement va diminuer. D'accord? Donc, Heda, le pH Heda, pH supérieur ou égal à pKa plus 2, c'est le pH qu'il faut éviter. On ne doit pas se placer à ce pH-là. D'accord? Donc, pour schématiser, vous avez un exemple, c'est le cas de l'acide barbiturique. Il y a un pKa est égal à 7,4 et un lambda est égal à 10, qui est égal à 10. D'accord? Harry, la relation qu'on a démontrée Bekri, on a dit la règle au Schut-Gaulle, pour avoir un rendement à 100%, on doit avoir un pH inférieur ou égal à pKa moins 2. Donc, pKa, c'est 7,4, moins 2, ça fait 5,4. Donc, le rendement va être égal à 100% pour un pH inférieur ou égal à 5,4. Donc, je vais voir la courbe. Alors, vous avez 2, 4, 5, 5, et à peu près 5,5. Toute cette partie-là, la droite, elle dit, ça correspond à un D égal à lambda. D est égal à 10.
Et lambda est égal à 10. Donc, D est égal à lambda dans toute cette partie-là. Et le rendement est à 100%. Dès que maintenant, on dépasse le pH, on le dépasse, on dépasse le 5,4, le rendement va commencer à, plutôt, le D va commencer à diminuer. C'est-à-dire que là, la molécule va commencer à se trouver sous deux formes. Et donc, à partir de là, le rendement va diminuer. D'accord? Vous me dites si ça va jusque-là? Je répète le schéma. D'accord. Alors, je vais répéter le schéma. Donc, la relation Harry, on a vu 1 plus D est égal à lambda sur 1 plus KA sur H plus. Donc, je Golna pour avoir un rendement à 100%. Et donc, un D qui est égal à lambda, on doit avoir un intervalle de pH inférieur ou égal à pKa moins 2. Donc, on a vu que la valeur du pKa de l'acide barbiturique, c'est 7,4. 7,4 moins 2, c'est 5,4. Donc, pH inférieur ou égal à 5,4. Alors, lorsque le pH inférieur ou égal à 5,4, D est égal à lambda. On va réchauffer la courbe. 2, 4, entre le 4 et le 6, c'est 10 et 5. Alors, c'est 5,4, c'est à peu près 5 et demi. Donc, c'est la moitié. Donc, là, de là jusqu'à l'ordonnée, vous avez une droite. Ça veut dire que D est stable. Qui trouve la droite, vous avez D est égal à 10. D est égal à 10. Lambda aussi, elle est égale à 10. Donc, je suis bien dans le cas où D est égal à lambda. Donc, dans toute cette partie-là, pH inférieur ou égal à 5,4, donc toute cette partie-là, D est égal à lambda. Alors, sur la partie ici, je suis sûre que le rendement tend vers 100%. Il n'est pas égal à 100%, il est proche de 100%. Maintenant, si, qui nous rajoute l'intervalle à 5,4, je dépasse le 5,4. Phi 6, phi 7, phi 8, etc. Je trouve que ce n'est plus une droite, c'est une courbe. Et le D commence à diminuer. C'est-à-dire que la distribution est en train de diminuer. Pourquoi la distribution a diminué? Parce que le soluté ne se trouve plus sous une seule forme. Il se trouve sous deux formes, la forme AH et la forme A-. Et si le soluté se trouve sous deux formes, le rendement de l'extraction va diminuer. Est-ce que c'est plus clair? De rien. Alors, je vais passer. On a vu l'influence du pH sur les acides faibles. On va voir l'influence du pH. On va faire rapidement parce que c'est simple. Le cas des bases. Donc, vous avez une base B. Donc, une base B, par nature, elle va capter les protons dans le milieu et va transformer en BH+. Donc, derrière, vous voyez que vous avez la forme non ionisée qui est la forme B et la forme ionisée qui est la forme BH+. Alors, B se trouve en phase aqueuse. Après transformation en BH+, laquelle des deux formes va passer en phase organique? Donc, maintenant, vous le savez. Directement, je vais dire B. Donc, B va passer en phase organique. Donc, tout ce qui favorise l'augmentation de la concentration de la forme B va favoriser l'extraction. Donc, tout ce qui permet de pousser, de rendre la réaction dans le sens 2 va augmenter le rendement de l'extraction. Donc, on va voir l'influence du pH. Si H+ augmente, dans le cas où H+ augmente, quand je dis H+ augmente, c'est-à-dire que le milieu est acide et H est diminué. Lorsque H+ augmente, la réaction se déplace dans quel sens? Elle va aller dans le sens 1. Pas dans le sens 2, dans le sens 1. Tac, dans ce sens-là. De B vers BH+. Dans ce sens-là, lorsque H+ augmente, la réaction va aller dans le sens B vers BH+. C'est le sens 1. Donc, si la réaction va dans ce sens-là, il y a moins de B. Donc, B va diminuer. D'accord?
BH+ va augmenter, EB va diminuer et on aura, au lieu d'avoir un passage de la phase aqueuse vers la phase organique, on va avoir un passage dans l'autre sens, un transfert de la phase organique vers la phase aqueuse. Dans ce cas-là, on va dire que le rendement va diminuer. Vous aurez, si pH diminue, donc H+ augmente, la réaction va aller dans ce sens, BH+ va augmenter, B va diminuer et le rendement de l'extraction va également diminuer. Alors logiquement, dans le cas inverse, dans le cas où pH augmente, on aura une augmentation du rendement. Lorsque le pH augmente, H+ va diminuer. Donc la réaction va aller dans le sens qui va combler le vide de H+. Donc elle va aller dans le sens de BH+ va se transformer en B. Donc BH+ va diminuer. B va augmenter et on aura transfert de B de la phase aqueuse vers la phase organique. Donc, on aura une augmentation du rendement. D'accord? On va passer au calcul. On va calculer de la même manière. Donc, la première relation à noter, c'est la constante d'acidité. Ensuite, le taux de distribution. Donc, KA est égal à B fois H+ sur BH+. D est égal à B, donc les différentes formes qui se trouvent en phase organique, c'est-à-dire B, il y a une seule forme, mais en phase aqueuse, on a deux formes. On a la forme B et la forme ionisée BH+, l'acide conjugué. Donc, plutôt, mais la première, je fais faire ressortir la valeur de BH+. BH+ est égal à B fois H+ sur KA, que je vais remplacer dans la relation du taux de distribution. Je vais avoir D égal à B organique sur B aqueux, la parenthèse 1 plus H+ sur K. Alors, Kimabek, B organique sur B aqueux est égal à quoi? Kimabek, c'est le rapport raide est égal à lambda. Et on remplace. Et on aura D est égal à lambda sur 1 plus H+ sur K. Alors, dans le cas d'un acide, le rapport raide c'est K1 sur H+. Le cas d'une base, c'est l'inverse. C'est 1 plus H+ sur K, c'est l'inverse. D'accord? Alors, c'est ce rapport-là qui va influencer le rendement. Comme pour l'acide, c'est le rapport H+ sur KA qui va influencer la variation du rendement. Donc, on va voir comment, de la même manière, si H+ sur KA est négligeable devant 1, donc, elle va disparaître. On aura D est égal à lambda et un rendement à 100%. Alors, dans quel cas on considère que H+ sur KA est négligeable devant 1? Maintenant, vous le savez, c'est lorsque le rapport H+ sur KA est inférieur ou égal à 0,01. Et de la même manière, voilà, 0,01. Et de la même manière, on va déterminer le pH en fonction du pKa. Donc, pH est supérieur ou égal à pKa plus 2. Et donc, dans le cas d'une base, lorsque le pH est supérieur ou égal à pKa plus 2, D est égal au coefficient de partage, c'est-à-dire que la molécule se trouve sous une seule forme et le rendement est égal à 100%. D'accord? Est-ce que c'est OK jusque-là? Oui, c'est simple. Alors, maintenant, lorsque H+ sur KA est largement supérieur à 1, D n'est plus égal à lambda, donc D va diminuer et le rendement n'est plus égal à 100% et le rendement va diminuer. C'est le cas où la molécule se trouve sous deux formes. Donc, dans quel cas on considère que le rapport est largement supérieur à 1, c'est lorsque le rapport est supérieur ou égal à 100. C'est-à-dire, c'est l'inverse. Hein? C'est lorsque H+ est supérieur ou égal à 100 Ka. D'accord? C'est l'inverse. Il faut corriger ici. Alors, donc après détermination, on aura pH inférieur ou égal à pKa moins 2. Donc, pour pH inférieur ou égal à pKa moins 2, D n'est plus égal à lambda, la molécule se trouve sous deux formes et le rendement va diminuer. Donc, on va schématiser Kimabekri.
On va prendre l'exemple d'une base faible qui est la thyronine dont le pKa est égal à 4,94. Donc, D est égal à lambda sur 1 plus H plus sur K. Pour avoir un rendement à 100%, donc un D qui est égal à lambda, on doit avoir un pH supérieur ou égal à pKa plus. Alors, pKa, c'est 4,94. J'ajoute 2, ça me donne pH supérieur ou égal à 6,94. R est 6, R est 7. C'est à peu près ici. Donc, à partir de cette valeur-là, vous allez avoir D est égal à 10, c'est-à-dire D est égal à lambda. Donc, dans cette partie-là, vous allez, donc là, la droite radicale, là, correspond à un D qui est égal à lambda et un rendement qui est égal à 100%. Donc, lorsque la valeur est inférieure à 6,94, kinemchi onartu, c'est la partie gauche. Maintenant, kinemchi onartu, le D va diminuer, comme tu vois ici, machiyantu. Ça veut dire que la molécule se trouve sous deux formes et lorsque D diminue, le rendement également va diminuer. Donc, la courbe Brady, c'est l'inverse à la courbe Thalès acide. C'est l'inverse. Dernier cas, lorsqu'il s'agit d'un ampholyte. Un ampholyte, vous savez ce que c'est, un ampholyte, c'est un composé qui peut jouer le rôle, aussi bien le rôle d'un acide que d'une base. Maintenant, on a les deux fonctions. C'est aussi bien un acide qu'une base. Donc, la courbe Théo, c'est la résultante des deux précédentes. C'est-à-dire que je vais prendre la courbe Thalès acide. Je vais prendre la courbe Thalès base, je vais les superposer. Alors, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir pour commencer une partie croissante. Ensuite, au milieu, on aura un palier, c'est-à-dire une droite. Ensuite, vous allez avoir une partie décroissante. D'accord? Tu fais la parabole inversée. OK? Donc, le palier, c'est au niveau du palier, la partie droite. C'est la partie au cours de laquelle le composé, donc l'ampholyte, se trouve sous une seule forme et où D est égal à lambda et le rendement est à 100%. Cette partie-là correspond à pKa moins 2 à pKa plus 2. Donc, pour un ampholyte, le rendement maximal est obtenu dans un intervalle de pH allant de moins 2, de pKa moins 2 à pKa plus 2. Est-ce que c'est clair pour les ampholytes? Alors, je vais passer, on a fini avec les molécules simples, l'extraction des molécules simples, on va passer à l'extraction des chélates métalliques. Le principe, donc quand on parle d'extraction de chélates métalliques, on va parler de l'extraction de cations métalliques. Dissolution d'un cation métallique dans l'eau. Vous avez la réaction, un cation métallique dans l'eau va former un aqueux complexe, c'est-à-dire un complexe avec l'eau. Vous voyez, l'eau, c'est le ligand. Vous avez la réaction. Cette la molécule étant chargée, elle est non extractive, c'est-à-dire que je ne peux pas la récupérer, donc elle ne peut pas être transférée vers la phase organique. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois ajouter un ligand. Alors, je dois ajouter un ligand. Le ligand va permettre d'éliminer l'eau qui a formé un complexe avec le métal et il va permettre de former un autre complexe, un chélate métallique. Le complexe, le complexe, donc le complexe formé, il doit être non chargé. Il doit être plus stable que l'aqueux complexe. C'est le principe de base. Donc, à la base, vous avez le cation métallique qui forme avec l'eau un complexe chargé, non extractible. Donc, pour éliminer ce complexe-là, je vais former un nouveau complexe plus stable que l'aqueux complexe, un nouveau complexe qui est non chargé. Qui fais-je le forme en ajoutant un ligand? C'est là où le principe de base. On va détailler tout ça. Donc, les ligands utilisés sont des anions organiques plurifonctionnels susceptibles de former des plaques qui se comportent comme des composés pseudo-moléculaires.
Alors, les ligands utilisés pour former le chélate métallique sont des anions organiques, c'est-à-dire ils ont une charge négative. Donc, plurifonctionnel, c'est-à-dire possédant plusieurs fonctions. Pourquoi possédant plusieurs fonctions? Parce que plus les cations sont ont des fonctions, donc plus la molécule est grosse, en fait, plus le ligand est gros, plus le coefficient de partage organique O va augmenter, c'est-à-dire qu'il va faciliter les cations. On va voir les détails quand même après. Donc, les composés, les ligands, sont susceptibles de former des chélates, c'est-à-dire des complexes, qui se comportent comme des composés pseudo-moléculaires. Même s'ils sont chargés, même si je n'arrive pas à former un complexe non chargé. Je forme un complexe chargé. Mais le fait que ce soit un composé chargé, mais à côté de ça, il peut se comporter comme une pseudo-molécule, c'est-à-dire qu'il peut se comporter comme une molécule non chargée, ce qui le rend facilement extractible. Alors, les équilibres intervenant dans l'extraction, donc on va schématiser comme à chaque fois. Vous avez l'aqueux complexe, on va lui ajouter le ligand qu'on a choisi. Le ligand qu'on a choisi va éliminer l'eau et va prendre sa place. Donc, on va former un nouveau complexe, MLN. Head le complexe, il est non chargé ou bien pseudo-moléculaire. D'accord? Entre ce complexe-là et le deuxième complexe formé, c'est le deuxième complexe qui va passer, qui va être transféré en phase organique. Donc, là, on va tout faire pour augmenter la réaction dans le sens head. C'est les flèches en rouge. Donc, dans ce sens-là, donc plus on augmente la formation du deuxième complexe, ML, plus le rendement de l'extraction va augmenter. Alors, j'ai mis ici L- auquel j'ai ajouté un proton, c'est juste pour vous montrer que, puisque le ligand est un anion, il se pourrait que le ligand soit un acide faible, plutôt une base conjuguée d'un acide faible. Donc, il est capable de capter un proton pour se transformer en HL et le HL va passer en phase organique. Et la partie là, toute cette partie-là, c'est une réaction parasite. C'est pour vous montrer que même si on parle de chélate métallique, il y a aussi l'influence du pH et elle est importante dans ce cas-là. D'accord? Ce que je vous demande de comprendre, c'est juste que cette partie-là, c'est une réaction parasite. Elle peut interférer avec la réaction initiale, tout simplement. Hey, justement, c'est ce que je te dis. Je te dis que c'est une réaction parasite. Ce n'est pas normal d'avoir le ligand en phase organique. Moi, je veux avoir le ligand en phase aqueuse pour qu'il puisse former le complexe. Et c'est le complexe qui m'intéresse. Head le complexe. C'est pas ça. HL, head, qui se forme ici en phase aqueuse et qui passe en phase organique, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas avoir cette réaction. C'est une réaction parasite. D'accord? Donc, là, je dois tout faire pour éliminer cette deuxième réaction. OK, Hey. Très bien. Alors, donc on va faire le calcul. Kimabekri, vous avez première formule, c'est le taux de distribution D est égal au complexe en phase organique sur les différentes formes qui se trouvent en phase aqueuse, c'est-à-dire le complexe aqueux plus le cation métallique. Alors, je peux mettre cation métallique comme je peux mettre aqueux complexe, c'est la même chose. Radio la aqueux complexe, c'est la même chose. D'accord? Donc, Kf, c'est la constante de stabilité du complexe formé. Elle est égale au complexe sur le cation métallique fois la concentration en ligand. N, pourquoi N? C'est le nombre de moles du ligand ajouté. C'est-à-dire que si j'utilise 3 moles de ligand, je dois mettre la concentration L puissance 3. C'est-à-dire 3 fois. Donc, mais la relation à la constante de stabilité, je vais faire ressortir la concentration en cation métallique. Elle est égale au complexe aqueux sur Kf fois la concentration en ligand. Et je remplace tout ça dans le taux de distribution. C'est toujours le même raisonnement pour les calculs. D est égal à complexe organique sur complexe aqueux fois la parenthèse 1 plus 1 sur constante de stabilité
fois concentration en ligand, puissance M. Donc, on a toujours ça. Concentration organique sur concentration aqueuse, elle est égale au coefficient de partage. Et la relation finale de Schrödinger, D est égale à lambda complexe sur 1 plus 1 sur Ks fois L moins puissance N. D'accord pour la démonstration? Alors, hein, la relation finale. Donc, pour avoir un rendement qui est égal à 100%, D doit être égal ou proche de la valeur du coefficient de partage. D'accord? Donc, le rapport RED1 doit être négligeable devant 1. Donc, comment faire pour avoir un rapport négligeable devant 1? RED1, il est négligeable devant 1. C'est-à-dire que RED1, il doit avoir une très faible valeur. Donc, les valeurs de Ks et de L moins doivent être très élevées. Donc, on doit augmenter Ks et on doit augmenter la concentration en ligand. Et donc, les deux facteurs qui vont influencer le rendement de l'extraction d'un chélate métallique. Donc, on aura des facteurs liés au ligand, en rapport avec la concentration du ligand, et des facteurs liés au cation métallique. C'est en rapport avec la constante de stabilité du complexe formé. D'accord pour les facteurs? Alors, je vais passer. Alors, les facteurs, donc, premièrement, influence de la nature du ligand. Donc, on va augmenter la forme anionique du ligand, c'est-à-dire qu'on va augmenter L-. Voilà. Donc, on ne doit pas avoir un ligand sous forme HL, qui n'a pas de compétence. On doit avoir un ligand sous forme chargée. Donc, pour cela, on doit jouer sur le pH. Ah, il y a une en deuxième. Augmenter le pH du milieu de telle sorte que pH va être supérieur ou égal à pKa plus 2. Alors, c'est le pKa de qui? C'est le pKa du ligand. Donc, connaissons le pKa du ligand. Quel, par exemple, le ligand que je choisis, un pKa est égal à 3. Donc, je dois travailler le milieu tel, je dois travailler un pH supérieur ou égal à 3 plus 2, c'est-à-dire pH supérieur ou égal à 5. À ce pH-là, je vais avoir un ligand sous forme anionique, sous forme chargée. Et sous cette forme-là, il pourra former un complexe avec le métal terre. Deuxièmement, on doit choisir un ligand dont le coefficient de partage est faible. C'est-à-dire que le ligand ne doit pas passer en phase organique, il doit absolument rester en phase aqueuse. C'est-à-dire que lambda terre doit être très très faible, de telle sorte que la concentration du ligand en phase aqueuse se pradime à supérieur à la concentration en phase organique. Nous avons les deux facteurs qui influencent la nature du ligand et qui influencent la concentration du ligand en phase aqueuse. La première, c'est un coefficient de partage simple. La deuxième, c'est un pH supérieur ou égal à pKa plus 2. Alors, l'influence du cation métallique, donc ça, c'est en relation avec la constante de stabilité. Donc, on doit former un complexe dont la constante de stabilité est très élevée. Plus Ks est élevé, plus ce complexe formé il est stable, plus il est susceptible de passer en phase organique. Donc, on doit choisir un ligand qui donne le complexe le plus stable avec le métal à extraire. Ça, c'est la première chose à faire. Donc, si j'ai le choix entre plusieurs ligands, je choisis celui qui va donner un complexe, le complexe le plus stable avec le métal, c'est-à-dire qu'il va donner le Ks le plus élevé. Alors, lorsqu'en solution aqueuse, maintenant j'ai plusieurs métaux, donc j'ai plusieurs cations métalliques. Le complexe est le complexe le plus stable, donc le ligand que je vais ajouter peut former un complexe avec plusieurs des métaux qui se trouvent en phase aqueuse. Donc ça, certains métaux, donc certains complexes seront plus stables que d'autres complexes. Et c'est toujours le complexe le plus stable qui s'extrait en premier. Et là, on peut avoir une extraction, ce qu'on appelle une extraction sélective. D'accord? Donc, en solution aqueuse, lorsqu'il y a plusieurs cations métalliques, c'est le complexe le plus stable qui s'extrait en premier. Et ça permettra d'avoir ce qu'on appelle une extraction sélective. C'est-à-dire qu'on pourra sélectionner le métal qu'on veut extraire. Donc, on ne va pas extraire n'importe quel métal.
Alors, les modalités pratiques, le choix du chélateur, c'est-à-dire le choix du ligand. Donc, on aura le choix entre plusieurs composés. On choisit un chélateur avec un pôle hydrophobe suffisant. Vous comprenez pourquoi? Parce que lorsque le chélateur a un pôle hydrophobe suffisant, le complexe formé va être suffisamment hydrophobe pour passer en phase organique. D'accord? Donc, on a deux cas. On peut utiliser la diphenyle. Donc, c'est des exemples. La diphenyle thiocarbazone, c'est la diphenyle. Elle est utilisée pour l'extraction du plomb et du mercure. Maintenant, un autre ligand, le di bêta-naphthyl-thiocarbazone, qui permet d'extraire le mercure 2 en toxicologie ou en contrôle de médicaments. Normalement, surtout la ditisane, c'est la plus utilisée. Prenez comme un exemple, en toxicologie en cinquième année, vous allez faire l'extraction du plomb par la ditisane. Donc, le plomb est considéré comme un polluant majeur de l'eau. Pour procéder à l'extraction terre, on va utiliser l'extraction de chélate métallique. Ça vous permet de voir l'importance de l'extraction de chélate métallique. Donc, l'extraction s'applique aussi au contrôle de médicaments. Ça permet de rechercher la présence de polluants tels que le plomb ou le mercure ou d'autres polluants par l'extraction de chélate métallique, par la formation de chélate métallique. Donc, toujours dans les modalités pratiques, le choix du solvant organique. Donc, on doit toujours choisir un bon solvant du chélateur et du complexe. D'accord? Donc, le complexe formé doit bien se dissoudre dans le solvant choisi. Donc, on a aussi le choix entre. Donc, on utilise plus souvent des solvants chlorés. Donc, des solvants REDD, ils vont avec les chélateurs qu'on a vus précédemment, c'est-à-dire la ditisane. Donc, on peut choisir soit le chloroforme, soit le tétrachlorure de carbone, CCl4. Donc, c'est les deux solvants les plus utilisés pour l'extraction de chélamine. Donc, on va passer à la dernière partie du cours, c'est l'extraction de verdure. Vous me dites si ça va pour l'extraction de chélate métallique. Je me dis, voilà. Alors, l'extraction de perdillon. Alors, le principe, l'extraction de perdillon s'applique à l'extraction d'un cation ou un anion présent en solution. Donc, ça consiste en quoi? Donc, l'ion TL, c'est qu'un ion ne peut pas passer en phase organique. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Donc, le principe de base, c'est éliminer ou masquer la charge de l'ion à l'extérieur. Soit je l'élimine complètement, soit je ne fais que la masquer. D'accord? Qui faire? Je fais ça. Comment je fais ça? C'est par addition d'un cation, c'est-à-dire un ion de charge opposée. Ça veut dire que si j'ai un cation, je vais lui ajouter un anion. Et puis, si inversement j'ai un anion, je vais lui ajouter un cation. Mais d'abord, le cation. Donc, les ions concernés sont des anions ou cations organiques ayant un pôle hydrophobe important et ne pouvant être transformés en acide ou en base non charge. Les ions concernés, c'est-à-dire quels sont les ions qu'on doit. Alors, quels sont les ions avec lesquels on doit former une paire d'ions pour les extraire? Ce sont des anions ou cations de nature organique. Normalement, ils peuvent être extraits ou à l'air parce qu'ils ont un pôle hydrophobe important. Ce sont des composés en général de nature organique, un pôle hydrophobe important. C'est-à-dire qu'à la base, ils peuvent être transférés en phase organique. C'est ça l'avantage. Mais la charge terre les empêche d'être extraits. Donc, et à côté de ça, la charge terre ne peut être transformée en acide ou en base non chargée. C'est-à-dire que là, on ne peut pas avoir l'influence du pH. Même si je joue sur le pH, je vais toujours avoir un composé chargé. Alors, dans ce cas-là, si je ne peux pas utiliser la formation de chélate métallique, si je ne peux pas utiliser l'influence du pH, qu'est-ce que je dois faire? Je vais leur ajouter un antagoniste, c'est-à-dire un ion de charge opposée, qui va aider à leur extraction. Il va tout juste masquer la charge d'un ion, le ion soluté derrière, l'ion que je veux extraire. Alors, le mécanisme de l'extraction, vous avez un cation A+, plus le cation B-, ils vont former tous les deux ce qu'on appelle une paire d'ions. Donc là, on a masqué la charge du cation ternaire, du cation de extrait. Donc, la paire d'ions va être transférée vers la phase organique.
non chargé. Et donc, tout ce qui favorise la formation de la paire d'ions va augmenter le rang. C'est toujours la même chose. Alors, l'un des deux ions doit avoir un volume important, un poids moléculaire élevé et un nombre suffisant de groupes hydrophobes. Donc, ça va ensemble. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit augmenter le coefficient de partage de la paire d'ions formée de telle sorte qu'elle passe facilement vers la phase aqueuse. Donc, que ce soit le volume important ou le poids moléculaire élevé, ça veut dire, une molécule de taille très importante. D'accord? Si elle est de taille très importante, les charges internes, que ce soit la charge positive ou négative, elles peuvent être masquées. C'est-à-dire, elles vont être cachées. Elles vont se trouver à l'intérieur de la molécule. Et ça va permettre d'avoir une pseudo-molécule, c'est-à-dire une paire d'ions qui est en fait une pseudo-molécule, c'est-à-dire qui ressemble à une molécule non chargée. En présence d'un nombre suffisant de groupements hydrophobes, la paire d'ions formée va facilement passer vers la phase organique. Donc, on va avoir un rangement très élevé. Alors, les principaux types de paires d'ions formées, donc on va voir en détail. Donc, lorsqu'il s'agit d'anions, donc lorsque je veux en solution aqueuse, j'ai un anion que je veux extraire. Je vais lui ajouter, plutôt, lorsqu'en solution aqueuse, j'ai un cation. Je vais lui ajouter un anion. Donc, dans ce cas-là, l'antagoniste est un anion. Alors, quels sont les anions que je peux utiliser? On peut utiliser les tensioactifs anioniques, tels que les sulfates acides d'alcoïdes, le LSNA et les sulfonates. Dioxyde sulfosuccinate de sodium, le DOS. C'est les deux composés les plus utilisés pour l'extraction des cations. D'accord? Ce sont des tensioactifs. Donc, on peut avoir aussi tétraphénylborate, anion d'ampholyte, donc provenant, ce sont les anions provenant d'un amphotère, tel que les liantines. Les liantines parfois, c'est un indicateur coloré. C'est un amphotère. Donc, à l'état anionique, il peut servir pour l'extraction de cations, par l'extraction de paires d'ions. Et nous avons les anions provenant de colorants acides, tels que la fluorTI. Donc, tous les différents éléments sont des anions qui peuvent être utilisés pour former des paires d'ions. On passe maintenant aux cations qu'on peut utiliser. Les cations qu'on peut utiliser sont généralement des dérivés azotés, tels que les ions ammonium tertiaire ou quaternaire. Donc, on a en premier lieu les ammoniums quaternaires à longue chaîne, les dérivés d'amines à poids moléculaire élevé et les cations de colorants basiques. Donc, tout ce qui est à base d'azote peut être utilisé comme cation pour la formation de paires d'ions lors de l'extraction d'anions en solution. Donc, on peut avoir aussi, donc pour les exemples, vous avez des dérivés d'amines, tels que la phénothiazine. Donc, je vous donne un exemple à chaque fois. Vous allez avoir les cations de colorants basiques, dérivés de triphényylméthane, vert de méthyl, bleu de méthyl et jaune de méthyl. Ce sont différents exemples de cations pouvant être utilisés pour l'extraction des paires d'ions. Alors, stabilité des paires d'ions. En phase aqueuse, lorsqu'on a plusieurs ions, et qu'on ajoute un seul antagoniste, les paires d'ions qui se forment, elles vont se former suivant leur stabilité, de la plus stable à la moins stable. C'est la paire d'ions la plus stable qui va se former en premier et qui va s'extraire en premier. Et ainsi de suite. L'idée Hedy, elle peut toujours permettre une extraction sélective, c'est-à-dire qu'on peut choisir l'ion qu'on veut extraire parmi plusieurs ions. Alors, en phase organique, s'il y a plusieurs paires d'ions, et que j'ajoute en phase aqueuse, une phase aqueuse qui contient un autre ion, Donc, on aura déplacement mutuel selon la stabilité. Donc, en phase organique, j'ai la paire d'ion A1B. Je vais ajouter une phase aqueuse qui contient un cation A2. A2 heta, il est susceptible de former une paire d'ion stable avec le B. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va récupérer le B heta et il va former avec lui une nouvelle paire d'ion qui va passer en phase organique. D'accord? Donc, c'est la stabilité des paires d'ions qui va jouer ce rôle-là. D'accord? Ce qui est des facteurs influençant l'extraction, nous avons les agents relargants. Donc, un ion auquel j'ajoute un contre-ion
c'est-à-dire un antagoniste. On va former une paire d'ions. La paire d'ions, elle va être très rapidement entourée par de l'eau. Donc, vous voyez l'encadré en bleu. C'est ce qu'on appelle une couche d'hydratation. La couche d'hydratation, elle va faire que la paire d'ions, donc elle va conférer une certaine polarité à la paire d'ions. Donc, la paire d'ions, au lieu de passer en phase organique, elle va rester en phase aqueuse. J'ai la couche d'hydratation. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois éliminer la couche d'hydratation. Donc, chauffe-eau, la paire d'ions est non extractive. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois éliminer la couche d'hydratation grâce à l'utilisation d'un agent relargant. Alors, qu'est-ce qu'un agent relargant? C'est un électrolyte hétéroionique. Hétéroionique, c'est-à-dire que ce n'est pas le même ion que j'ai utilisé pour l'extraction. L'hétéroion, il va former un complexe avec l'eau et un complexe stable, donc ce qu'on appelle un aquacomplexe. Donc l'eau, au lieu d'entourer la paire d'ion et de former une couche d'hydratation, elle va aller former un complexe avec le nouvel ion présent en solution. Donc ça permettra d'éliminer la couche d'hydratation et donc de facilement extraire la paire d'ion formée. Ça devrait les agents relarguer. Deuxième chose, c'est le pH de la solution aqueuse. Lorsqu'il s'agit d'un antagoniste base conjuguée, amoine. Donc, lorsque l'antagoniste, pas l'ion, l'antagoniste que j'ai ajouté, lorsqu'il s'agit d'une base conjuguée, comme le tétraphényl borate, amoine, ajouté cation B+, on veut extraire B+, donc on ajoute amoine. Donc, on aura la formation de AB. AB va passer en phase organique. À côté de ça, vous savez que amoine, qui est une base conjuguée, peut capter des protons et former AH. AH qui vont passer en phase organique. Donc, la deuxième réaction devient de ce fait une réaction parasite parce qu'elle va empêcher la première réaction. D'accord? Donc, ce qu'on veut faire, c'est empêcher la deuxième réaction, c'est-à-dire favoriser la formation de amoine. Le fait que amoine se forme, il va former, au lieu de former AH, il va former une paire d'ions avec le cation qu'on veut extraire. Et donc, on va augmenter le rendement de l'extraction. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que je dois faire pour empêcher la deuxième réaction? Je dois jouer sur les protons. Alors, est-ce que je dois augmenter H+ ou diminuer H+? Alors, je n'ai aucune réponse. Je dois augmenter H+ ou diminuer H+. Pour favoriser la réaction dans le sens de la flèche head. Qu'est-ce que je dois faire? Augmenter ou diminuer H+. Alors, si je diminue H+, la réaction va aller dans le sens qui va combler le vide en H+. Donc, la réaction va aller dans le sens de la flèche. On aura une augmentation de A-. L'augmentation de A- va favoriser la formation de paires d'ions et donc augmenter le rendement. Donc, c'est correct. On doit diminuer H+. Diminuer H+. C'est-à-dire que le pH doit augmenter. Donc, on travaille en général en milieu basique. Lorsque maintenant, il s'agit d'un antagoniste acide conjugué, BH+, dans ce cas-là, ce que je veux extraire, c'est le A-. Je vais ajouter BH+. Donc, on aura formation de la paire d'ions ABH qui va passer en phase organique. À côté de ça, vous avez HEDA qui est un acide conjugué, BH+. Il est capable de donner des protons au milieu et se transformer en B. HEDI, la deuxième, c'est une réaction parasite. Donc, ce que je dois faire, c'est augmenter la formation de BH+. BH+ va aller former avec un moins la paire d'ions qui est stable et qui va passer en phase organique. Donc, moi, ce que je dois faire, c'est diminuer la réaction HEDI. C'est faire que la réaction aille dans ce sens-là. Donc, de droite à gauche. Donc, dans le sens qui forme BH+. Qu'est-ce que je dois faire avec H+? Augmenter ou diminuer? C'est l'idée inverse, hein? Je dois, le clégonal diminuer. Donc, logiquement, là, on doit augmenter. Très bien. Augmentation.
Donc, on va augmenter H+. H+ étant augmenté, la réaction va aller dans le sens qui va aspirer les H+ qui sont dans le milieu. On va former les BH+. BH+, on forme un ion avec A-, et on aura un transfert organique, donc une augmentation du rendement. Donc, lorsque le pH diminue, donc lorsqu'il s'agit d'un antagoniste acide, le pH doit diminuer pour augmenter la formation de la paire d'ions. Alors, les applications analytiques, c'est-à-dire comment procéder à l'extraction des ions. Donc, on a deux méthodes, la colorimétrie et la volumétrie. Pour ce qui est de la colorimétrie, c'est la formation, ça consiste en la formation d'une paire d'ions colorée grâce à un antagoniste coloré. Donc, on a vu que les antagonistes qu'on pouvait utiliser, qu'ils soient des anions ou des cations, peuvent être donc, des anions ou cations provenant des indicateurs colorés, donc provenant d'un composé coloré. Donc, les antagonistes colorés, ajoutés au composé d'un HMA, ils vont former une paire d'ions qui est elle-même colorée. Donc, la colorimétrie, c'est la mesure, quand je dis colorimétrie, c'est la mesure de la coloration. D'accord? Donc, la mesure en général se fait par spectrophotométrie UV visible. Donc, lire l'intensité de la coloration, c'est utiliser la spectrophotométrie UV visible. C'est-à-dire que vous allez la voir en détail en troisième année. Normalement, à part comme un aperçu en deux. Normalement, je ne sais pas. Al-Mohem. Donc, vous avez, ce qui est important, c'est le choix du pH. Le pH choisi, c'est le pH qui doit augmenter le plus possible l'ionisation de l'ion, ainsi que celle du propre ion. Donc, plus ils sont chargés, plus ils sont ionisés, plus la paire d'ions formée va être, on aura plus de paires d'ions formées, donc on va avoir plus de rendement. Donc, pour cela, on doit connaître la valeur des pKa. Donc, la connaissance de la valeur du pKa va nous permettre de nous placer dans un pH qui permettra l'augmentation de l'ionisation des ions en solution. Dernière chose, c'est l'application d'analyse courante pour l'extraction de cations dérivées d'amines en utilisant des antagonistes. Donc, la première application, c'est l'extraction de cations. Donc, en utilisant des antagonistes provenant d'un colorant acide. C'est-à-dire, c'est la colorimétrie. La deuxième, c'est la volumétrie. C'est la mesure d'un volume. La volumétrie par rapport à. C'est ce que vous avez fait en fait toute l'année. C'est-à-dire, c'est l'utilisation d'un Erlen et d'une burette, tout simplement. Donc, elle permet de doser. Donc, les applications de la volumétrie, celle-ci va permettre de doser aussi bien des bases organiques qui se trouvent sous forme de cations, aussi bien on peut utiliser, donc on peut l'utiliser pour doser des agents radioactifs sous forme d'anions. D'accord? Donc, les bases organiques sous forme de cations, on va leur ajouter un antagoniste qui est un anion, exemple LSNA ou DOS, etc. Pour ce qui est de tout ce qui se trouve sous forme d'anions, c'est-à-dire les tensioactifs, on peut utiliser comme antagoniste les ammonions tertiaires, quaternaires, etc. Alors, les réactifs qui seront utilisés, c'est soit LSNA, soit le DOS. Donc, on va voir le cas où on procède au dosage d'un cation, pas d'un anion, d'un cation. Donc, l'antagoniste, c'est un anion. On peut utiliser soit LSNA, soit DOS aux différentes concentrations, 0,01 molaire, 0,005 et 0,001. Donc, c'est les différentes concentrations utilisées. Donc, pour l'étalonnage, quand vous faites un dosage, vous précédez le dosage toujours par un étalonnage. Pour vérifier le titre d'un LSNA, ou bien il faut étalonner LSNA ou bien le DOS. Donc, l'étalonnage. Donc, pour cela, on doit utiliser les étalons. Les étalons qu'on peut utiliser sont la papaverine ou la phénothiazine. LSNA et DOS sont des anions. Donc, pour les étalonner, on va utiliser des cations. D'accord? Donc, papaverine et phénothiazine, ce sont des cations qui vont permettre d'étalonner les deux anions. Alors, on doit utiliser, puisqu'on est en volumétrie, on utilise toujours un indicateur. Donc, on peut avoir, dans le cas de LSNA et DOS, on utilise le jaune de méthyle auquel on peut ajouter le bleu ORH7B. Donc, on peut utiliser le jaune de méthyle. On peut aussi lui ajouter bleu ORH7B. Alors, quand on ajoute qu'il manque un composé à un indicateur coloré, c'est pour intensifier une coloration. D'accord? Alors, comment procéder au dosage? Vous avez en phase aqueuse acide, en phase organique et une phase organique. Donc en phase aqueuse, vous avez le cation X+ que vous voulez doser. C'est X+.
Au cation, vous allez devoir ajouter R-. R-, c'est le réactif qui prend. C'est l'anion antagoniste de X+. Alors, l'antagoniste θ, il va former avec le cation thérionéen une perdition. La perdition va passer en phase organique. Elle dit, c'est des bases. Donc, vous imaginez que l'échantillon θ comme X+ se trouve dans une mer et que le réactif titrant se trouve dans une burette. Donc, quand vous faites le dosage, l'échantillon θ, comme je dis, c'est un indicateur. L'indicateur, c'est pour déterminer le point de fin de titrage. Donc, vous avez l'indicateur θ. C'est aussi un cation. C'est le genre de qui est dans la molécule. C'est en pH acide, il est chargé positivement. L'indicateur θ, pour obtenir, il est capable de former avec le réactif titrant une perdition. La perdition radie peut passer en phase organique. Donc, initialement, vous avez l'indicateur coloré en jaune. Il se trouve en phase organique. Lorsqu'il change de coloration, lorsqu'il forme la perdition avec le réactif, il change de coloration. Donc, vous allez avoir une perdition colorée en rose. D'accord? La première chose à faire, vous ouvrez la burette. Le R- va s'ajouter à X+. Dans le R, il va former une perdition. La perdition va être transférée en phase organique. Donc, au fur et à mesure, R- forme avec X+ la perdition. Lorsque R- il pêche dans l'air les meilleurs et ne trouve pas X+ fad. Le R-, donc la première goutte en excès du réactif titrant, va former avec l'indicateur la perdition, Hedy, Hn plus R-, qui va passer en vase organique et qui va colorer le milieu en rose. Donc, la fin du titrage est déterminée par le changement de coloration de l'indicateur qui passe du jaune au rose. Tout simplement. C'est le mécanisme de virage de l'indicateur et c'est aussi la modalité pratique pour faire une extraction de perdition. Est-ce que c'est clair pour ce mécanisme? Mais concrètement, le mécanisme de virage, est-ce que c'est clair? Oui. Alors, les applications. Alors, les applications, c'est bien sûr obligatoirement. Mais ce qui nous intéresse, c'est les applications aux préparations pharmaceutiques. Donc, lorsqu'on a un médicament et qu'on veut extraire un élément qui se trouve sous forme ionique, on a recours à l'extraction de perdition. Lorsqu'il s'agit d'une solution aqueuse, c'est-à-dire lorsque le médicament se trouve sous forme d'ampoule ou de sirop, le dosage se fait directement parce que c'est déjà une solution préparée. C'est-à-dire directement, je vais ajouter le contrient et la phase organique et procéder au dosage. Lorsque maintenant il s'agit de systèmes biphasiques, biphasique, ça veut dire qu'il contient deux phases, une phase organique et une phase aqueuse. Le système biphasique va permettre la mise en solution des principes actifs et des excipients liposolubles. Donc, un tel système va permettre de dissoudre facilement les médicaments tels et les principes actifs et les excipients. Donc, c'est le cas où on a des pommades et des suppositoires. Donc, c'est des applications directes, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de transformer le médicament tel pour procéder à l'extraction de perdition. Ils sont déjà prêts, donc on peut les utiliser dans l'état. Donc, c'est une méthode applicable au dosage des détergents anioniques par un étalon cationique connu. Les détergents, c'est l'eau, Javel, etc. En général, ce qu'on appelle détergent, c'est le huayj li traj. D'accord? Kimat tout ce qui peut former une mousse. Le savon, l'isis liquide, l'eau, etc. Le dentifrice, tout ça contient des composés anioniques. Et alors, quand je dis composés anioniques, je parle de. On dirait sur la boîte à dentifrice, donc tu dois faire LSNA, l'oryl sulfate de sodium. Le LSNA est un agent moussant, utilisé comme agent moussant pour la préparation des détergents. Donc, on peut appliquer l'extraction de perdition. Mais je en pharmacie. On peut aussi l'appliquer pour le dosage des anions présents dans les détergents par l'utilisation d'étalons cationiques connus. D'accord? Donc, c'est les applications directes. L'inconvénient, les inconvénients de la méthode, c'est que certains excipients peuvent gêner le dosage par le basse. Exemple, carbonate et stéarate de calcium. De même pour le LSNA, en présence de stéarate de magnésium.
Les deux inconvénients, vous savez qu'un médicament se compose de principes actifs et d'excipients. D'accord? Et les excipients, si je ne peux pas les éliminer avant de procéder à l'extraction, ils vont rester en solution. Et certains excipients vont gêner le dosage. Par exemple, dans le cas du dos, ce qui peut gêner, les excipients qui peuvent gêner, c'est le carbonate et le stéarate de calcium. Dans le cas du LSNA, c'est le stéarate de magnésium qui peut gêner. Comment ils vont gêner? DOS et LSNA ont un caractère de chélateur, des cations Ca plus 2 et Mg plus 2. Donc, ils vont consommer une partie du réactif. Calcium et magnésium sont des cations métalliques. Ils peuvent former un complexe avec le DOS ou bien le LSNA, selon le réactif utilisé. Donc, DOS et LSNA, au lieu de former un cation, ils vont former un complexe avec le calcium et le magnésium. Donc, le réactif va être consommé fi haja anamel. Donc, pour pallier à ça, on va préparer une solution. Donc, on va faire un blanc avec les excipients. Faire un blanc, c'est-à-dire, on va procéder à un dosage en présence des excipients. Donc, selon la valeur que j'ai, c'est un blanc, bah, je vais éliminer cette valeur-là lors du dosage. Gale, par exemple, pour le dosage du blanc, j'ai consommé 5 litres de réactif. Bah, l'échantillon terre, il fait aussi bien les excipients que le principe actif. Donc, je vais avoir une chute de burette 15 millilitres. Donc, 15 millilitres, la valeur du blanc, c'est-à-dire 5 millilitres, je vais avoir 10 millilitres. Et 10 millilitres, ça correspond au dosage du principe actif seul. Adahou est le principe du blanc, de l'utilisation du blanc. Alors, les applications, toujours. Oui, j'ai une question. Un blanc, c'est quoi? Un blanc, c'est un échantillon, mais sans le principe actif que je dois doser. Alors, par exemple, si je dois doser la phénothiazine présente comme un médicament. Je prends le médicament T, le médicament phi, le principe actif lié à la phénothiazine, plus d'autres composés, les hormones, les excipients. Le blanc T consiste à doser les excipients sans le principe actif. Hadahou est le blanc. C'est-à-dire que le blanc, il n'y a pas l'échantillon à doser, il n'y a pas l'élément à doser. Il y a tous les autres éléments, mais pas le principe actif que je dois doser. C'est ça un blanc. Le blanc permet d'éliminer les erreurs. C'est clair. Je dis je m'en ai un blanc parce que c'est important. C'est bon, très bien. Alors, quelques cations dosables en volumétrie par extraction de perdillon. Donc, les cations auxquelles on va appliquer la méthode, ce sont des ammoniums quaternaires, comme exemple, le chlorure de benzalkonium. Vous avez aussi les alcaloïdes et leurs sels, tels que la papavérine, la tropine, la codéine, la scopolamine. On peut utiliser aussi la perdillon pour le dosage de valproate verte, tels que l'amidopérine, la procaïne. Donc, c'est des médicaments qu'on peut doser par volumétrie et par extraction de perdillon. Est-ce que ça va pour le cours? J'ai terminé. Est-ce que ça va? Ça va? Très bien. Donc, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah. J'espère qu'on pourra faire le TD. Je vous dis à très bientôt.